D'accord. Corona, yeah. Corona, oh. Corona, virus, COVID-19. Je m'appelle Anne-Marie Sow, je suis professeure d'économie familiale et sociale. Je suis aussi une femme, je me suis beaucoup engagée aussi dans l'éducation et je me suis spécialisée même en sciences de l'éducation à la FASTEF, à l'Institut des sciences de l'éducation, chez UNESCO. Je suis une femme de développement, une militante des droits humains. Et actuellement, je milite même aussi au niveau de l'ADTS, l'Association pour la défense des usagers de l'électricité, de l'eau, des télécommunications et services. Et là, j'en suis la vice-présidente. Par rapport à un bimestre déjà, bon, on ne sait pas comment va évoluer, mais je suis sûre que le président va... Ils vont réajuster, certainement. Ça, c'est sûr. On espère que ça va s'arrêter avant même la fin du bimestre. Par contre, comme je dis, l'État a quand même, j'apprécie, parce que en tant que défenseur des consommateurs, à chaque fois qu'il y a quelque chose en faveur des consommateurs, je ne peux qu'apprécier et j'apprécie. Et par contre, il faut que je dise quelque chose par rapport à l'État à économiser, quoi qu'on dise, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui allaient au bureau, qui allaient dans les services, qui consommaient les ressources de l'État, et qui ne l'utilisent pas, qui utilisent ce temps au contraire pour travailler pour l'État en télétravail et qui utilisent leurs propres ressources de la maison, qui utilisent leur eau, qui utilisent leur électricité, alors que ces moments-là, ils devaient être au bureau, mais ils utilisent les ressources de leur maison, et même la connexion interne, l'électricité et par rapport à l'eau. Les 20 mètres cubes du moins, même si j'apprécie, je vais dire que les 20 mètres cubes, ça correspond à, d'après mes calculs, parce qu'il faut savoir aussi lire les factures, les calculs, les 20 mètres cubes d'eau correspondent à 4094 francs. Parce que dans une facture, il y a trois parties. Voilà, une partie pour la consommation, la facture d'eau par exemple, une partie pour la consommation, une autre partie qui concerne les taxes, une partie pour l'ONAS, etc. Donc en faisant les calculs par rapport à cette tranche sociale, c'est 4094 francs, ce que je trouve encore très faible, même si c'est pour tout le monde. Et là, ils ont été clairs pour l'eau. Et par rapport à l'électricité, ça n'a pas été du tout clair. Ils disent que jusqu'à une facture de 250 kW. Bon, même si 250 kW, à peu près 100 francs et quelques 100 francs le kilowatt, 250, c'est 25 000 francs. Mais ces 25 000 francs, moi, si j'ai une facture de 30 000, est-ce que mes 5 000 seront... Est-ce que je dois payer 5 000? Ou bien, je ne suis pas concerné. Là, j'ai même fait une petite enquête auprès du personnel de la Sénélec et malheureusement, ce n'est pas clair à leur niveau. Donc, ils ne savent pas si les 25 000 concernent seulement ceux qui ont des factures de moins de 25 000 ou bien ça concerne tout le monde. C'est-à-dire, si j'ai une facture de 50 000, qu'on me défalque les 25 000 et je vais seulement payer les 25 000. Donc là, ils disent toujours qu'ils sont en train de travailler là-dessus. On va patienter un peu pour voir quand est-ce qu'ils vont finir. Donc voilà quoi. Plusieurs personnes, beaucoup de gens, lorsqu'ils reçoivent leur facture, se limitent à comprendre deux rubriques. La date limite de paiement et aussi le montant de la facture. Mais il est important de comprendre aussi comment cette facture a été saucissonnée. Il y a une partie qui est la consommation, qui doit être calculée bien sûr, mais il y a aussi une partie où ce sont les taxes municipales, les taxes concernant l'hydrogène domestique, les taxes aussi concernant la municipalité, mais il y a aussi une part qui va revenir forcément à ONAS aussi. Donc tout ça, ça compose la facture de l'eau. Et dans cette facture, il faut qu'on comprenne que si la première tranche de 0 à 20 mètres cubes, c'est facturé à 186,55 francs. Les autres tranches sont déjà à
plus de 655 francs. Donc voilà, 651 et 655. Plus on sort donc de la première tranche, après on va se retrouver avec une facture très élevée. Et les consommateurs doivent faire attention à tout cela. Et c'est aussi valable pour la facture de l'électricité. Donc il y a la facturation, ça dépend. Il faut comprendre que les ménages ne sont pas facturés de la même façon que les entreprises, les petites et moyennes entreprises, comme par exemple un salon de coiffure, une boutique, un magasin, hein, et puis les grandes entreprises. Donc c'est pourquoi quand quelqu'un demande l'électricité, il faut qu'il sache, qu'on sache déjà combien de matériel ils ont, qu'est-ce qu'ils ont à la maison pour savoir plus tard comment ce sera facturé. Donc ça c'est important de lire la facture, c'est bien, mais de comprendre aussi derrière la facture, de ne pas le lire au recto, mais aussi au verso, pour voir comment on a consommé, pour pouvoir aussi avoir un acte responsable, un acte. Les consommateurs, nous les éduquons aussi, nous les encourageons à bien comprendre les factures. Ça, c'est essentiel pour avoir un comportement beaucoup plus consommateur, responsable, et ça, c'est important. Okay.